Bonjour, je m'appelle Sambassar, artiste plasticien, environnementaliste à Saint-Louis, le promoteur du Farsapi. Donc le Farsapi existe depuis 2012 et dans le cadre de la lutte contre la dégradation de l'environnement. Et aujourd'hui, en 2020, le Farsapi a mis en place le centre Farsapi, un espace de rencontre, d'échange avec les associations environnementales et l'encadrement des jeunes et la petite enfance. Donc cet espace est situé sur la route de Gandiol, à côté du réserve de Gumbel. Donc l'espace est déjà clôturé et mis en œuvre. Et nous sommes en train de mettre en place, la valoriser. Donc on a déjà mis un espace qu'on appelle un espace polyvalent. Là, on va accueillir toutes les rencontres des jeunes et des petites enfances. Et nous voulons aussi mettre des toboggans, une aire de jeu qui a des toboggans, des balançoires. Et nous avons mis aussi un bâtiment en place qui est en cours de travaux, qui servira à la petite enfance. Et il y a une toilette, des WC, une cuisine. Nous avons mis aussi un puits qui va alimenter les jets d'eau, le point d'eau. En fait, et nous sommes en train d'aménager une arbre à palabres, un espace de rencontre en même temps, parce que nous voulons faire de cet espace un espace d'échange. Donc, différents points de rencontre. Et la moitié de l'espace sera le parc Farsapi que je vais exposer des animaux recyclés en plastique. Et il y aura aussi une bacque d'entretien du plastique, de traitement du plastique. Et voilà, donc vous me suivez. Voilà, nous sommes dans l'espace Farsapi, le centre Farsapi. À ma gauche, il y a l'espace polyvalent. Qui est en voie de construction. Et devant nous, là, il y a l'aire de jeu. On a déjà récolté 400 pneus qu'on a commencé à recycler, à utiliser pour faire beaucoup, certaines choses. Et à ma droite, nous avons le bâtiment de la petite enfance qui est en cours de construction, qui a une toilette. Une cuisine. Et derrière moi, la moitié de l'espace, nous allons refaire le parc Farsapi, qu'on va exposer les animaux recyclés à base de plastique. Donc nous comptons beaucoup sur votre soutien pour qu'on puisse réaliser nos rêves. Et portez-vous bien. Merci beaucoup.